Vous avez apprécié cette aventure extraordinaire de 40 ans pour construire cet engin incroyable qui fonctionne aujourd'hui. Ce que je vous propose, comme je vous ai annoncé, c'est de vous donner quelques indications supplémentaires. Il va y avoir un peu de... Ça ne sera pas long, parce qu'on va discuter, mais il va y avoir un peu de redites. Je crois que ce n'est pas du luxe, parce qu'il y a des choses qu'il faut bien expliquer. Et puis surtout, ce qu'on a fait, nous, Français, dans cette aventure, parce qu'on a joué un rôle important. La caméra, vous allez voir, qui mesure dans l'infrarouge et qui permet de faire beaucoup de recherches qui ont été présentées, c'est une caméra qui a été développée en France par des Français et livrée donc à la NASA par notre coopération avec eux. Donc je vous propose de passer quelques instants à discuter de ça. Alors comment je vais m'installer pour pouvoir passer en plus. D'abord, pour vous dire que ce télescope, on l'a attendu. Ça, c'est une vraie photo d'un poster qui était dans un labo de chercheurs et qui avait rebaptisé le James Webb Space Telescope, le James White Space Telescope. Il y en a qui ont entendu ça toute leur vie. Il y en a évidemment qui sont partis à la retraite avant de voir le lancement. Il y en a qui sont partis tout court avant de voir le lancement. Et c'est toute une vie d'ingénieurs et de chercheurs quand on a un instrument comme ça à développer et qui dure plus de 40 ans. Là. La suivante, c'est que j'ai aussi un petit film qui va être très très court et qui vous explique un peu comment ça se passe. Et notamment, on va descendre dans l'instrument Mirim, qui était l'instrument français qui a été livré à la NASA. Lancé par une fusée Ariane 5 depuis le centre spatial de Kourou en Guyane, le télescope spatial James Webb a été conçu pour répondre aux grandes questions de l'astrophysique, comme la formation dans l'univers des premières galaxies et de leurs premières étoiles, des planètes et des exoplanètes, ou la composition des atmosphères de planètes extrasolaires. Au cours du voyage, le déploiement du miroir primaire de 6,60 m est une opération délicate et inédite. Son immense écran solaire composé de 5 couches et de la taille d'un terrain de tennis permet un refroidissement du télescope à environ 50 Kelvin. Au bout d'une croisière de 30 jours, Webb atteint son orbite autour du point de Lagrange L2, à 1 500 000 km de la Terre. Un environnement stable et froid, des conditions nécessaires pour observer le rayonnement infrarouge avec une sensibilité sans précédent. Webb embarque une série de 4 instruments qui se situent derrière le miroir primaire. L'instrument MIRI est constitué d'une caméra et d'un spectromètre à intégrale de champ qui observe dans l'infrarouge moyen entre 5 et 28 micromètres. Le système optique de la caméra, conçu par les équipes françaises, contient 5 miroirs et une roue à filtre qui sélectionne le rayonnement infrarouge. Les images se forment sur un détecteur refroidi à une température de 7 Kelvin, soit moins 266 degrés Celsius. L'étude des atmosphères d'exoplanètes, ces planètes orbitant autour d'autres étoiles que le Soleil, est un des objectifs majeurs de MIRI. Pour cela, il embarque 2 techniques différentes d'observation. La première est une innovation technique appelée coronographie à masque de phase. Les coronographes de MIRI associent un masque situé à l'entrée de l'instrument et un diaphragme placé dans la roue à filtre. L'objectif est d'atténuer la lumière de l'étoile centrale pour observer le très faible signal émis par une exoplanète, en s'inspirant du principe des éclipses solaires. MIRI sera le premier instrument spatial à utiliser ce type de coronographe. Cette technique permet d'observer principalement des planètes géantes, jeunes et chaudes, orbitant à plusieurs unités astronomiques de leur étoile. La seconde technique est la spectroscopie infrarouge pour observer des transits de planètes à petite période orbitale. Dans ces conditions, MIRI peut alors enregistrer la lumière de l'étoile transmise par l'atmosphère de la planète lorsque celle-ci passe devant l'étoile, ou bien la lumière émise par la planète elle-même avant que celle-ci ne s'éclipse derrière l'étoile. Les spectres obtenus contiennent des informations précieuses sur la température effective, la composition moléculaire, ou encore la présence de nuages. Si les exoplanètes géantes gazeuses seront les cibles privilégiées de MIRI,
on pourra aussi détecter par cette technique des petites planètes rocheuses. Grâce aux capacités de MIRI et du télescope Webb, les chercheurs pourront mieux comprendre la formation des systèmes exoplanétaires ainsi que les caractéristiques physiques et chimiques de leur atmosphère. Et peut-être commencer à étudier les conditions d'habitabilité sur ces mondes éloignés de notre système solaire. Voilà, ça c'est quelque chose sur lequel au fil je reviendrai, qui a peut-être été moins expliqué dans le film, c'est en quoi ils expliquent qu'on peut voir éventuellement de la vie sur d'autres exoplanètes. C'est par l'analyse de ces atmosphères, on verra un peu comment on le fait. La suivante, ça a été expliqué aussi dans le film, mais je crois que c'est important à comprendre. C'est pourquoi on voit, quand on voit loin, on voit dans le temps. C'est tout simplement parce que la lumière a une vitesse finie et qu'il faut du temps pour que les photons qu'on voit, qui sont émis par les objets qu'on voit, arrivent jusqu'à l'objet. Si vous voyez le fond de la salle, il faut que les photons qui éclairent le fond de la salle me parviennent et ils avancent à 300 000 km/s, ça va vite, mais c'est pas à l'infini. Donc je ne vois pas instantanément. Donc la lumière qui nous arrive de la Lune, elle met une seconde. La lumière qui nous arrive du Soleil, elle met 8 minutes. La lumière qui nous arrive de la première étoile la plus proche de nous, à part le Soleil, elle met 4,2 ans. Pour vous donner une idée des distances, parce que ça, on se représente mal la vitesse de la lumière. Si vous voyagez en TGV, pour aller sur la Lune, vous mettez 50 jours à peu près. Ça se gère. Pour aller sur le Soleil ou sur Mars, parce que c'est pas les mêmes trajectoires, mais c'est à peu près les mêmes distances, vous mettez un peu plus de 50 ans. Donc déjà, ça se fait sans arrêt, faut pas s'arrêter. Ça se fait aussi. Pour aller sur la première étoile la plus proche, qui est dans notre galaxie, la première étoile dans notre galaxie la plus proche, vous mettez 15 millions d'années en TGV. Donc ça, c'est plus compliqué déjà. Donc ça montre un peu les... Et alors, si vous allez au centre de la galaxie, la première étoile, évidemment, elle est beaucoup plus proche que le centre, 26 000 ans, la lumière, mais 26 000 ans pour nous arriver, vous imaginez les distances phénoménales que ça représente. La galaxie la plus proche de la nôtre, qui n'est pas la nôtre, 2,3 millions d'années-lumière, et puis l'univers lui-même, il a 13,7 ou 13,8 milliards d'années. Donc ça, c'est si vous voulez regarder le Big Bang. Donc, chaque fois que vous voulez regarder un objet loin, eh bien vous le voyez il y a longtemps, tel qu'il était il y a longtemps. Et plus vous regardez loin, plus vous le voyez tel qu'il était il y a longtemps. Et c'est ça ce que permet de faire James Webb. Alors là, vous avez les différents... Il y a marqué futur, parce que cette planche était écrite avant le lancement, mais c'est aujourd'hui une réalité. Donc vous voyez ce que permet les télescopes terrestres. Vous remontez jusqu'à peu près l'univers quand il avait 6 milliards d'années. Le présent est à gauche. Et puis, plus vous allez loin, plus vous regardez loin dans le temps, et plus vous regardez loin dans l'espace. Vous voyez le Hubble, en champ ultra profond ou en champ ultra profondeur, puisqu'il a été mis à jour et amélioré régulièrement. Et puis le James Webb. Ce qui est aussi important à comprendre, ce qui est expliqué aussi dans le film, c'est le décalage vers le rouge. Alors ça, c'est un effet Doppler, tout bête, du changement de fréquence. Tout le monde a expérimenté d'écouter une voiture qui passe vite quand on est au bord d'une route, qu'on est arrêté au bord d'une route, la voiture fait... Et donc, quand elle se rapproche de vous, sa fréquence augmente, c'est plus aigu. Et puis quand elle s'éloigne de vous, sa fréquence diminue, c'est plus grave. Et bien, c'est exactement la même chose avec la lumière. Le grave de la lumière, c'est le rouge. Donc quand vous avez des objets qui se déplacent très vite en s'éloignant de vous, leur lumière émise s'abaisse vers le rouge. Et comme l'univers est en expansion, finalement, tous les objets qu'on voit, ils s'éloignent, puisque tout est en train de s'étendre. Et donc, il y a un décalage, ce qui s'appelle le redshift en anglais, vers le rouge. Et plus vous regardez loin, plus ce décalage est important. Donc ça baisse la fréquence. La lumière de faible fréquence est moins énergétique. Et puis en plus, c'est de la lumière qui voyage dans le temps depuis des milliards d'années. Donc vous vous rendez compte, vous avez des photons que vous devez récupérer, qui sont très peu énergétiques et qui sont très peu nombreux. Et c'est ça que vous devez voir quand vous construisez un télescope comme James Webb. Donc vous avez un défi énorme à faire. Et alors, pour avoir le plus de photons possible, il faut avoir un miroir le plus grand possible. Plus vous avez un miroir grand, plus vous collectez plus de photons. Et pour
voire avec de l'infrarouge, vous devez avoir quelque chose qui est refroidi, parce que cette énergie, si vous voulez, que vous captez, est très faible. Et si vous ne refroidissez pas votre objet, mais aussi votre électronique, ce qui est moins expliqué, vous devez aussi refroidir l'électronique de détection, à ce moment-là, le bruit électronique que vous avez dans votre engin ne vous permet pas de voir le signal. Le signal est caché à ce moment-là dans le bruit. Donc plus vous voulez regarder loin dans le rouge avec de la faible émissivité, plus vous devez descendre votre température. Et on verra, je vous montrerai après, qu'on a fait mieux que le James Webb pour regarder encore plus loin, mais pas dans les mêmes fréquences. Alors ça, c'est l'univers en expansion. Donc vous voyez, 13,8 milliards d'années, c'est à droite, c'est aujourd'hui. À gauche, vous avez le Big Bang. Et donc, c'est ce qui a été expliqué. Dès qu'on a eu le Big Bang au début, l'univers était tellement dense que les photons ne pouvaient pas se mouvoir. Les photons étaient piégés, il n'y avait pas de photons qui bougeaient. Donc l'univers n'était pas transparent. La lumière n'existait pas au tout début. Et à un moment donné, la lumière s'est mise à exister, c'est-à-dire que l'univers s'est refroidi et les photons ont pu bouger. À ce moment-là, il y a de la lumière qui est apparue. Ce moment-là, c'est 380 000 ans après le Big Bang, donc très très tôt après le Big Bang. Et ça a créé le fond cosmologique, qui est cette partie que vous avez à gauche et que je vous montrerai tout à l'heure, et qui a été visible, l'univers est devenu transparent à 380 000 ans. Et puis après, bon, les photons pouvaient bouger, mais Il n'y a pas eu d'étoiles, comme ça a été expliqué, la matière ne s'est pas condensée, et c'est ce qui s'appelle les âges sombres, les Cosmic Dark Ages, c'est entre ces 380 000 ans et quelque part 200 millions d'années après le Big Bang. Et là sont apparues les premières étoiles, premières galaxies. Et c'est cet âge-là qu'essaye de voir et que commence à voir James Webb Space Telescope, c'est-à-dire l'univers quand il avait 200 millions d'années. Et c'est à ce moment-là qu'on regarde les premières étoiles et les premières galaxies. On va voir qu'on est arrivé à voir le fond cosmologique diffus, donc l'univers tel qu'il était quand il avait 380 000 ans, simplement après le Big Bang. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Pour ça, il fallait encore être plus froid que James Webb. Après, il y a des questions. C'est passionnant. Oui, j'essaie d'aller vite. Bon, vous avez compris qu'on est tous formés de poussière d'étoiles, puisque tous nos atomes de notre corps ont été fabriqués dans les étoiles. Et. Alors, pourquoi c'est pas passé ça? Ah, c'est ça. Ah. Ça va suivre. Il y a une image qui ne veut pas passer. Bon, on entrera après. C'est ce fond cosmologique diffus. Donc pour ça, on a lancé un satellite qui s'appelle Planck, qui a été pas refroidi à 7 degrés K. Comme le détecteur de Miri, et qui est refroidi à 50 millika, donc 50 millidegrés au-dessus du zéro absolu. Alors le zéro absolu, c'est pas simplement qu'il fait froid et qu'on est à moins de 273 degrés, c'est qu'il faut une énergie infinie pour y arriver. C'est-à-dire que vous prenez toute l'énergie de l'univers existante et vous n'arrivez pas à refroidir quoi que ce soit au zéro absolu. C'est impossible, il faut une énergie infinie. On est arrivé à descendre avec les systèmes actifs à 50 millidegrés de ce zéro absolu pour voir le fond cosmologique diffus, qui est une image que je ne peux pas vous montrer, je ne sais pas pourquoi la machine l'interdit, mais qui est quand même assez émouvante parce que c'est un selfie. Nous sommes tous dans cette photo qui est l'univers complet au moment où il y a eu le Big Bang. Et qui était une première révélation assez extraordinaire parce que les scientifiques s'attendaient à voir un univers très lisse, très homogène, et en fait il y a beaucoup d'inhomogénéité dès le début, 380 000 ans après le Big Bang, et ça pour l'instant on se l'explique. Alors je reviens sur le James Webb, ça a été dit, mais l'enjeu, évidemment le miroir, vous voyez, passer de 2,40 m à 6,50 m, c'était un enjeu extraordinaire, parce que 2,40 m, vous pouvez le lancer dans une fusée en une seule pièce, évidemment 6,50 m, il faut pouvoir l'assembler, et c'est ce qu'on a dû faire pour James Webb. Et puis Spitzer, qui est un télescope qui aussi fait de l'infrarouge, donc c'est celui qui permettait de voir le plus loin,
avant James Webb, et bien là, vous passez d'un miroir de 80 cm à 6,50 m, et ça vous change complètement la vie. Alors, à quoi ça répond les questions? Là aussi, c'est pas compliqué. Les questions de science spatiale, c'est deux choses. C'est comment l'univers s'est créé, le Big Bang, comment ça s'est passé, pourquoi on a des constantes physiques fondamentales, est-ce que ces constantes sont toujours restées constantes, comment l'univers s'est créé, s'est développé, première question. Et deuxième question, comment la vie a été créée et est-ce que la vie existe ailleurs que sur Terre? Toutes les recherches spatiales, aujourd'hui, vous les prenez dans tous les sens, elles essaient de répondre à une de ces deux questions. James Webb permettra de répondre aux deux, d'investiguer sur ces deux questions. C'est-à-dire comment les premières étoiles se sont créées, comment les premiers atomes ont été créés par ces étoiles, comment l'univers s'est formé. Et aussi, grâce à l'étude des exoplanètes, donc les planètes qui tournent autour d'étoiles qui ne sont pas le Soleil, est-ce que ces exoplanètes ont des traces possibles de vie à leur surface? Donc est-ce que la vie existe ailleurs? Ça, c'est pour vous expliquer que ces programmes, c'est pas simple, hein, ça met 40 ans, mais c'est des coopérations internationales très complexes, et c'est quelque chose qui est assez unique dans le monde, tout simplement, ces coopérations se font sans échange de fonds. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, on va construire quelque part un grand objet, tous les pays du monde, ou une partie des pays du monde vont coopérer, et chacun va payer une partie, et puis il y aura un pays qui va tout faire avec tout cet argent. C'est pas des transferts d'argent, c'est des transferts de savoir-faire et de matériel. Et donc chaque pays qui participe développe un bout du matériel, développe un bout du segment sol et livre ce matériel à une communauté qui assemble tout ça pour faire un seul objet. Alors c'est extrêmement intéressant, c'est passionnant, mais c'est beaucoup plus compliqué parce que du coup il n'y a pas une personne qui développe tout seul quelque part, ou une équipe évidemment, je n'ai jamais pas quelqu'un tout seul, mais c'est plein d'équipes réparties dans le monde entier qui livrent des petits éléments et c'est un puzzle et tout ça doit s'assembler, ce qui est une complexité énorme. Alors vous voyez là en deux mots, donc MIRI, c'est la caméra qui fait l'infrarouge et donc une grosse partie de la recherche scientifique du James Webb. Cette caméra MIRI, on le verra, elle a été faite en France, à sa clé, sous la responsabilité du CNES, qui livre ça à l'ESA, l'ESA intègre, teste tout ça, qui livre ça à la NASA, qui intègre, etc., et puis qui nous livre ça à nous, à Kourou, pour qu'on le lance, donc c'est tout un balai extrêmement complexe. À côté de ça, vous avez les Canadiens, vous avez le JPL qui est le labo à Pasadena, etc. Tous ces gens-là ont travaillé pendant 40 ans ensemble pour arriver à monter cette mission. Là, vous avez les différents segments qui ont été faits. Donc, l'ESA, c'est en Europe, c'est sous l'égide de l'ESA, mais c'est l'ensemble des pays européens, dont une bonne partie en France, la NASA et les Canadiens. Et donc, vous voyez les quatre instruments, dont MIRI, qui est à moitié NASA, à moitié ESA, NIRSPEC, qui est un autre instrument qui est complètement de l'ESA. Et puis, évidemment, le lanceur, vous avez vu, Ariane 5, c'est une grande fierté, et c'est une vraie question. Qui montre toute la confiance qu'on peut avoir entre l'Europe et les États-Unis, c'est quand même que les Américains qui ont construit cet objet qui a été l'objet le plus cher qui ait jamais été lancé, 10 milliards de dollars, et pas simplement une histoire de sous, mais c'est la vie de milliers de personnes pendant 40 ans qui nous ont confié pour qu'on le lance de Kourou. Et ça, c'était un moment extrêmement fort. Parce qu'évidemment, le lancement, c'est toujours un moment extrêmement critique. Je vais passer ça puisqu'il faut que j'accélère et puis vous avez vu ça dans le film, mais c'est juste pour vous montrer en haut à droite une photo de MIRI en intégration, donc la partie française. Vous voyez là aussi la fameuse roue à filtre. Dans le film, ils expliquent bien qu'on fait des photos avec différentes longueurs d'onde et que c'est une roue à filtre qui permet de faire ça, puisqu'on prend une image et puis on fait changer le filtre et on a des diverses longueurs d'onde. Cette roue à filtre, vous la voyez voilà, derrière devant les yeux plutôt de l'intégrateur, là, c'est quelque chose qui a été monté à sa clé. En France, ça a été extrêmement compliqué aussi à mettre au point, parce qu'il y a beaucoup de filtres, il y a un mécanisme assez complexe, et qui doit marcher à 50 Kelvin, donc à très faible température, et ça a été un des enjeux importants pour nous de la mise au point de cet objet. Là, c'est les tests en laboratoire et en cryo. Chaque fois qu'on monte un élément, chaque fois qu'on fait un petit bout
Tout ça est testé pour vérifier que ça répond bien aux spécifications et que quand on va le livrer au suivant, on ne va pas le mettre dans la difficulté, mais on lui livre un truc qui marche. Et si ça ne marche pas après, c'est pas votre faute. Donc on essaie comme ça de construire quelque chose pas à pas pour être sûr de ce qu'on fait. Donc tout est testé, retesté, validé à chaque étape. Et là, c'est le... Pour vous montrer un peu le schéma de Miri, donc vous voyez Miri en haut à droite, c'est l'instrument qui a été monté, intégré à Saclay, donc sous responsabilité du CNES et puis du CEA. Il a été testé au niveau de Mirim, c'est la partie avec la roue à filtre que je vous ai montré, intégré dans Miri à Oxford, en Angleterre, parce qu'il y avait aussi les Anglais d'y participer, ça c'est la deuxième étape. Ensuite, on est parti à Baltimore pour intégrer ça dans ISIM, c'est un ensemble plus gros d'instruments qui sont mis derrière le plan focal. Et puis de ISIM de Baltimore aux États-Unis, c'est parti à Houston pour les intégrations dont vous avez vu une partie dans le film, c'est-à-dire l'intégration de la partie haute du télescope. Et puis ensuite, Pasadena, donc en Californie, où là, il y a eu l'intégration finale, que vous avez vu aussi dans le film de JWST. De Pasadena, et ça c'était indiqué aussi en bateau, donc sur un bateau d'Ariane Espace qui est allé chercher le télescope à Pasadena, on va jusqu'à Kourou, et de Kourou, on a ce fameux lancement en fin 2021, tout le déploiement et l'intégration qui a été vu dans le film, et puis on arrive en orbite, où cette fois-ci, le télescope envoie les informations. Une partie des informations revient vers un centre d'expertise pour la partie Miri, qui chaque instrument reçoit les données de son instrument, et la partie Miri est renvoyée vers Saclay en France pour toute l'expertise des données. Est-ce que les données sont bonnes? Est-ce qu'il faut les recalibrer? Est-ce qu'il faut modifier? Et avant de les redonner à la communauté scientifique. Donc il y a tout ce schéma qui est extrêmement impressionnant aussi. Et puis je voudrais terminer par quelques images rapides, mais surtout par vous expliquer ce qu'on fait avec les exoplanètes. Donc les exoplanètes, ce sont les planètes qui tournent autour des étoiles qui ne sont pas le Soleil. Comme il a été dit dans le film, il y a une vingtaine d'années, on pensait qu'il y avait très peu d'exoplanètes et que finalement notre système solaire était un peu unique. On a toujours tendance à penser qu'on est tout seul, qu'on est unique, qu'on est... Voilà. Et que les planètes qui tournent autour de l'étoile, c'était vrai ici, mais ce n'était pas vrai ailleurs. On a développé des engins qui ont permis de regarder ces exoplanètes. Et Corot, en 2004, ça a été un télescope intégré en France, qui a permis de voir les premières exoplanètes. Et on se rend compte aujourd'hui que pratiquement toutes les étoiles ont en fait un système planétaire qui tourne autour d'elles. Donc on a des planètes partout, des exoplanètes partout. Et l'idée, maintenant, c'est de ne pas se dire « est-ce que je veux en voir plus ?» Je sais qu'il y en a partout, mais je veux les caractériser. Et pour les caractériser, bon, il faut savoir quelle est leur taille, et ça on l'a avec la période de révolution, leur distance à l'étoile, on l'a aussi par la période de révolution, et puis évidemment ce qui est le plus intéressant dans l'idée de la recherche de la deuxième question, c'est-à-dire est-ce que ça peut héberger de la vie, c'est l'analyse de l'atmosphère, l'analyse de l'atmosphère de ces exoplanètes. Alors, James Webb va permettre de faire ça avec cette fameuse méthode des transits. Vous voyez tout simplement quand vous regardez une étoile, quand la planète passe devant cette étoile, eh bien, sa lumière va un peu s'abaisser, puisque la planète cache la lumière de l'étoile. Et donc vous allez voir que quelque chose passe devant. Vous allez mesurer le temps pendant lequel il passe devant, et vous allez avoir la vitesse de rotation de votre étoile autour de l'étoile. Il faut savoir que ça, typiquement, c'est vous êtes à Paris, vous regardez le phare de l'entrée du port de Marseille, et vous voulez savoir s'il y a une mouche qui se pose sur le phare. C'est à peu près ça le niveau de précision. Et dire, là, il y a une mouche qui vient de se poser. Voilà. Donc, il faut être extrêmement précis. Il faut être encore plus précis pour voir l'atmosphère. Et là, c'est quand la planète, vous voyez, revient derrière. Parce que quand elle est devant, vous ne voyez pas la partie éclairée. Vous voyez la partie sombre. Mais quand elle passe derrière le soleil, derrière l'étoile, pardon, alors à ce moment-là, vous avez cette partie rouge, qui est la partie éclairée. Et là, vous allez pouvoir voir la lumière réfléchie de l'étoile sur la planète et qui passe à travers l'atmosphère de la planète. Et donc, par les raies d'absorption des différents atomes, vous allez pouvoir savoir quelle est la composition, avoir une idée de la composition de l'atmosphère. Mais évidemment, il faut être encore plus précis, et c'est encore plus compliqué,
parce que vous voyez, votre étoile, ça éblouit tout, et vous essayez juste de voir la lumière qui est réfléchie sur la planète, donc c'est extrêmement, extrêmement compliqué, et c'est là où notre instrument MIRIM sert beaucoup, parce que vous avez ce fameux coronographe avec masque. La partie masque, elle est compliquée, mais elle apporte beaucoup au niveau technologie. Le coronographe, c'est tout simple, c'est que quand vous voulez voir une étoile à côté de la Lune, quand la Lune vous cache l'étoile parce qu'elle est trop lumineuse, ben simplement vous mettez le pouce devant la Lune et vous voyez beaucoup mieux ce qui est autour. C'est le même principe. Vous cachez votre étoile et vous allez voir beaucoup mieux les planètes qui tournent autour. Donc ça, c'est tout à la recherche. Donc James Webb, les premières étoiles, les premières galaxies, les premiers atomes, comment ils se sont formés, et puis ensuite les exoplanètes, essayer de caractériser leur atmosphère et donc savoir s'il y a des traces de vie possible sur ces exoplanètes. Quelques images rapides pour terminer. Vous voyez Spitzer à gauche qui était l'ancien en infrarouge et ce qu'on sait faire aujourd'hui à droite avec James Webb. Vous avez vu des images beaucoup plus belles, mais ça, pour les scientifiques, c'est extraordinaire de voir ce genre de choses. Là aussi, alors le disque qui est blanc, c'est pas un objet que vous voyez, mais c'est justement le cache que vous mettez au milieu pour pas être ébloui, comme vous l'êtes à gauche, par l'étoile et donc rien voir du tout. Et là, vous voyez bien tout ce qu'il y a autour et ce qui tourne autour de votre étoile. Et puis ici, vous voyez du Spitzer, et voilà ce que voit James Webb, donc avec une précision extraordinaire, grâce à 40 ans de travail en coopération au niveau mondial. Bon, la France a beaucoup participé à cette coopération. Voilà, en quelques mots, ce que vous avez dit. Alors, je ne sais pas si on a le temps de prendre une ou deux questions. On n'a pas le temps ? Pas le temps. Elle est sortie par le côté à gauche. Je suis là. Il n'est pas pour rejoindre dans la cour. J'arrive. Nous avons une séance à 8h et il est 8h.